Bienvenue à tous et à toutes pour les demi-finales du Draft Warrior entre FFC Vince et bien sûr Santihawk contre CRZ Dr. Jile et Songhail. Les deux joueurs se sont déjà affrontés dans nos précédents tournois, donc ils commencent à bien se connaître. Le Sonic Boom Condor Dive pour l'esquiver, le Close Fargro Point et la chope, encore la carotte de Dr. J qui utilise très très bien le Tomahawk pour arrêter la balayette de la part de Vince. Ouh, le cross-up bien gardé, il utilise la balayette comme punition derrière et encore même face pour J qui fonctionne à merveille la balayette avec le Sonic Boom. Il construit très très bien J là actuellement, il varie extrêmement bien son jeu, il perturbe un peu le jeu de Vince. Le cross-up qui part, le point léger, le dragon derrière, le petit combo de T-Hawk et le même en EX. Il est stun, là c'est terminé. Le saving et l'ultra qui termine le round pour Vince. On peut dire que les deux joueurs ont attaqué, hein, franchement. Directement, on cherche la faille et on envoie nos beaux combos, ceux qui font les plus mal. Et on est parti pour le deuxième round. Le Sonic Boom Condor Dive, exactement comme tout à l'heure. De Sonic Boom qui prend, là il passe de l'autre côté. Attention avec la grosse chop. Le flash qui cancel dash arrière. Et encore une fois la face Sonic Boom chop aérienne. La balayette dans la garde, Vince ne pouvait pas la punir avec son Tomahawk. Un petit Condor Dive X pour essayer de le faire en cross-up. La balayette qui passe, le cross-up encore tenté, mais cette fois c'est encore le même système. Close Fargro Point. Et voilà, la balayette qui passe, la focus, et il s'est fait arrêter par une chop là, Vince. Il est enfermé dans le coin, attention. Voilà, l'uppercut, il n'a pas enchaîné d'ailleurs, JC, dommage encore une fois. Et voilà, juste le petit light pour remporter son round. Il a tellement bien construit, faut dire Jay avant, que il ne manquait que ça pour en terminer dans ce round, pas besoin de s'embêter. On est donc parti pour le round décisif de ce set. Oh, bien joué ça, le groupe, le HK qui passe, le flash kick, attention, va être puni par cette balayette. Le cross-up ambigu tenté, il continue avec la série de POC et le HK aérien, le Condor Dive et Sonic Boom X qui vient arrêter tout ça. Il est enfermé dans le coin là, Jay. Il a essayé d'inverser les commandes. Le flash kick, Sonic Boom, le HK derrière. Allez, il a tenté l'overhead, il s'est fait punir par le Condor Dive X. Allez, continue, il est enfermé. Là, Jay, voilà, il a utilisé son spécial. Le HK derrière, attention à l'Ultra. Saut vertical la prochaine fois, Jay. Sinon, punition d'Ultra direct de Vince. Je cherche pas à comprendre généralement Vince. Dès qu'il a une ouverture, il balance. Et voilà, donc il remporte son premier set. Match un tout petit peu plus tactique sur le coup que sur les deux précédents rounds. On va voir comment va être la configuration de cette rencontre maintenant. On va voir si Jay a remarqué des petites failles dans le jeu de Vince. C'est là encore la chope aérienne avec le Sonic Boom. Sonic Boom encore. Le Condor Dive. Il n'utilise pas beaucoup les Condor Spire sur le coup. Vince utilise plus de Condor Dive face à Guile. Et il continue là avec les Sonic Boom. Pour le mettre à distance, le Condor Dive X. C'est utile, c'est safe, ça sert juste à placer le jeu s'il a une ouverture en plus. Le flash kick qui va être puni par la balayette. Oh là là, Condor Dive un petit peu trop loin, il avait tenté un cross-up. Le Tomahawk en EX, il essaye d'inverser les commandes de la Vince de placer son jeu. Les Sonic Boom. Encore les Sonic Boom de la part de J pour ouverture, il essaye de gratter avec cette petite balle médium. Sonic Boom. Toujours même facile. Ah, il a l'ouverture, ça y est, l'époque. Oh là là, il a raté. Derrière la punition qui tue. Ça fait très mal. Hein. Il faut surtout pas se rater comme ça devant les choppers. Il avait bien anticipé son combo, mais après les petits lights, il aurait dû juste faire un backdash. Il était à bonne distance pour faire whiffer l'ultra et remporter son round. Mais malheureusement, il a trop voulu insister. Et voilà, le direct, le HK derrière, décline l'ouverture, bien joué ça. Le Sonic Boom, le percut, il n'a pas enchaîné derrière, c'est dommage, il avait tenté la chop là, J. Le Condor Dive, le HK. Ah, là, il ne l'a pas placé, dommage. Ouh, il faut punir là, ça fait pas assez mal ça. Ça fait pas assez mal, J, il avait une ouverture. Le Condor Spire X, ça y est, il en a mis un là, Vince. Flash kick, cancel dash arrière, la balayette derrière, Sonic Boom, c'est Ving, gros chop. Voilà, là, on a du vrai Vince. Il saute, il essaie de trouver une ouverture. Le flash kick qui prend le Sonic Boom. La petite bas médium. Condor Spire on X pour avancer. Il esquive. Et derrière, gros chop. Regardez, la vie, elle a fondu. Oh là 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 là. Les rushs, gros chop.
Il a été monstrueux, Lavin, sur le coup. Il a changé d'un coup de jeu. Dès qu'il a senti que Jay devenait un peu fragile, il a foncé, tête baissée, comme on dit. C'était monstrueux. Et voilà, donc Vince ira donc en finale. Et Jay lui jouera la troisième place du Draft Warrior. Une très très belle rencontre avec beaucoup d'animation entre les deux joueurs. Vraiment, ça fait plaisir. On voit qu'ils se connaissaient quand même dans le jeu. Et la qualité en ressort. Voilà donc qui conclut la rencontre. Rendez-vous pour la troisième place du Draft Warrior. Et que l'esprit des combos soit avec vous.